je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing d'un diamond painting que j'ai reçu, mais je ne suis pas sûre lequel c'est. Bien que j'en attends pas beaucoup en ce moment, j'ai une petite idée là, mais je ne suis pas sûre. Vous allez le savoir d'après le titre de la vidéo. Donc c'est arrivé comme ça, c'est arrivé dans une boîte et ils ont mis du tape de partout. Donc je voulais vous montrer comment c'est arrivé et je vais ouvrir ça. On va découvrir le DP ensemble. J'ai coupé vraiment dans la boîte. J'espère que j'ai pas coupé au niveau des diamants. Alors attendez là, parce que c'est bien 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 serré. Ouais, la boîte elle va aller à la poubelle, je pense. Alors là on a les diamants. Je pense savoir lequel c'est. Rien que l'emballage des diamants, je pense savoir. Et j'entends quelque chose d'autre. Je crois qu'il y a un deuxième paquet de diamants. Ouais, il y en a un deuxième. Oui, c'est bien celui-là. Ok, c'est le DP de chez ma nuit Rachel Store. Et il y a un toolkit tout au fond de la boîte. Voilà. Excusez-moi pour le bruit. C'est que c'est pas évident. C'était très serré. Voilà, la boîte, elle va aller dans le recyclage. Alors, on va regarder qu'est-ce qui était. Donc, je voulais tester. Je voulais tester les DP en col coulé de ma nuit. Rachel Storm avec des diamants ronds. Parce que j'ai vu Jess de la chaîne Les Passions de Jess dire que quand elle avait beaucoup, beaucoup de sections avec beaucoup de blanc, avec des grosses zones de couleur pâle en général, qu'elle allait changer pour des diamants ronds pour éviter d'avoir des écarts. Et du coup, je me suis dit, ah ben, moi aussi, je devrais tester. Je vous mettrai la chaîne de Jess en barre d'infos si vous voulez aller voir ce qu'elle propose. Moi, j'adore regarder ses vidéos. Mais c'est ça, je me suis dit, ok, on va tester sans diamants ronds. Donc, on a les diamants qui sont là. On va faire l'inventaire ensemble en vidéo pour ceux qui aiment voir ça. Donc, ça va être une vidéo un peu plus longue. Ah, mais elle m'a pas envoyé du rond, elle m'a envoyé du carré. C'est pas ce que je voulais. Attendez, je vais arrêter la vidéo, vérifier sur l'application d'AliExpress parce que elle s'est trompée, je crois. Je pense avoir demandé du rond. Alors attendez, je vais aller vérifier, je reviens. Alors je viens de vérifier et je vais vous le mettre à l'écran maintenant là, pour vous montrer que, que je ne mens pas. J'ai bien commandé du rond, il y a marqué round, 50%. Donc c'est bien du 50%, mais elle m'a envoyé un carré. Je crois que d'ailleurs Jess, elle a dit qu'elle avait eu des problèmes ces derniers temps-là. Donc c'est pas ce que j'ai commandé. Et si je le renvoie à mes frais, ça va me coûter une fortune. Donc je sais pas qu'est-ce qu'elle va me proposer. J'en sais rien du tout, donc je ne sais pas quoi faire. Regardez, je vais filmer la première partie de la vidéo. Ça se pourrait que la deuxième partie, du coup, si elle me dit ben, qu'elle ne peut pas me renvoyer le diamond painting avec des diamants ronds, eh ben, je vais la faire, celle-là. Je veux dire, je vais pas... parce que moi, je vais pas la renvoyer à mes frais, ça va me coûter une blend. Donc, regardez, on va faire la première partie de la vidéo ensemble aujourd'hui. Mais ça se pourrait que du coup l'inventaire, je le fasse un autre jour. On va voir. Bon, voilà les couleurs avec du diamant carré. Je ne vous ai même pas montré l'image. Alors attendez que je la récupère. Mais je suis un peu deg. Hein, parce que bon, j'avais commandé pour tester le carré. Donc, est-ce que j'ai imprimé ma fiche? Je pense que oui. Je vais la récupérer. Là, voilà. Et oui, même sur ma fiche, j'ai marqué du rond. Donc bon, je ne suis pas très impressionnée avec ça. Donc ça, c'est l'image que j'ai commandée. C'est une image de l'artiste John William Godward. Donc c'est une image qui tombe dans le domaine public. Ça oui, l'artiste, c'est un artiste britannique. Britannique? Je crois que oui, hein. Oui, j'en avais déjà parlé en vlog et il fait beaucoup de ses portraits avec des femmes et du marbre. D'ailleurs, j'ai plusieurs images maintenant converties en diamond painting. Mais celle-là, quand je l'ai vue, je me suis dit, c'est magnifique. C'est trop, trop beau. Donc, je l'ai commandée en 50%. Elle va être assez grande. Et le nom qu'il a donné à cette image, c'est When the Heart is Young.
Donc c'est quand le cœur est jeune. Et c'est ça, j'avais commandé en rond. Je l'avais commandé le 21 février, ils l'ont envoyé le 8 mars et je crois l'avoir reçu la première semaine d'avril. Donc ça a pris un mois à recevoir. Mais ouais, donc on va regarder la toile. Le toolkit, donc on a un plateau blanc avec des sachets refermables et de la cire opaque, ça va. Stylet simple et en bout de 3 et une pince que je n'aime pas, mais je la donne à mon mari pour les petits projets autour de la maison. On va regarder la toile. Ouais, je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait attention. C'est comme une autre compagnie que j'avais contactée, CuffWK. D'ailleurs, je pense avoir posté le unboxing déjà sur YouTube. Ils ont assumé que je voulais du rond parce que je leur avais posé des questions à propos de s'ils mettaient des cercles autour des symboles. Et ils m'avaient dit que oui, je pense. Et j'avais commandé un perso et j'avais demandé d'avoir un carré. Et ils m'ont envoyé un rond. Je ne sais pas pourquoi ils assument. Et c'est ça qu'il m'avait dit, le gars, en fait. Je l'avais reçu, le DP, il m'avait dit, oui, on a assumé que vous vouliez du rond. Je dis, ben non, j'ai demandé du carré. Comme quoi, il ne faut jamais assumer. Jamais. Parce que ça serait rigolo si la toile était imprimée pour du rond. Mais non, elle est imprimée pour du carré. Alors, on va regarder ça. Il y a quelque chose de dégueulasse qui est là. Là, c'est dégueu, ça. Attendez, je vais prendre un mouchoir. Je vais désinfecter la table après. Yark. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Il faut que je dézoome un petit peu. Voilà. C'est bizarre quand même, hein? Je dis ni waouh ni ah parce que ben c'est bizarre. On voit pas, l'image n'est pas claire en fait, elle n'est pas nette. La façon dont ils l'ont convertie, ben. Bon alors c'est de la colle coulée, donc vous savez quoi, je vais la rouler dans le sens inverse. On va la regarder ensemble, bien que je pense vous avoir mis hein, sur la chaîne déjà un DP de Manui en vraiment carré. Il y a un unboxing qu'il y a sur la chaîne avec le double face et c'est une image de qui déjà? De Mucha, je pense. Alphonse Mucha. Et je crois que j'ai unboxé aussi sur la chaîne un DP en diamant carré avec la nouvelle colle de chez Manui. Donc, ouais, c'est pour ça que je voulais du rond. Alors là, voilà. Ouais, là, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous voyez là? Ouais, vous la voyez bien. Mais alors, c'est ça. On a un peu de mal à voir l'image parce que, ben, je sais pas. Je crois que c'est au niveau des symboles qu'ils ont utilisés. C'est pour ça qu'on la voit mal. Ouais, il faudra voir avec les diamants dessus. J'avoue que c'est bizarre la ligne bleue qu'il y a juste là. Ah, en même temps, regardez, sur l'image originale, c'est bleu, bleu, bleu. Et là, c'est bleu pâle. Hein. Mais ils n'ont pas utilisé des symboles avec un arrière-plan qui correspond à l'image, à la couleur originale. C'est-à-dire que, bon, je vais prendre l'exemple là. Vous voyez, ça, c'est bleu pâle. Donc là, ils ont pris des symboles avec un arrière-plan bleu qui rappelle la couleur sur l'image originale. Mais pour ça, il n'y a pas de bleu. Ça, ce sont des symboles en noir et blanc. C'est pour ça que c'est très bizarre. Ouais, c'est pour ça que c'est très bizarre. Donc, ça serait intéressant de voir ce que ça va donner avec les diamants dessus. Bon, maintenant, on la distingue bien. On distingue bien ses cheveux, là. Sa robe, hein. Excusez-moi pour le reflet. Ça va être la couverture style léopard, qu'on voit un peu. Le banc en marbre. Hein. À voir aussi. Et j'avoue que j'aime pas trop que les traits sont bleus. Les traits sont bleus. Je vais vous montrer ça. Regardez ça. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Vous voyez les cases.
ont des traits bleus. Voilà. Ça, j'aime moins. Mais regardez, c'est comme ça. Là, il y a pas mal de blocs dans ses cheveux. On va regarder la qualité des symboles. On va voir si c'est la bonne dimension aussi. Bon, maintenant, les symboles sont bien, bien, bien lisibles, hein. Je vois aucun souci avec ça. C'est juste que c'est pas ce que j'ai demandé. Commencer ici. Dans le bleu, c'est beau. Dans le rose, ça va. Le 23 est un peu flou, le 21 aussi là, mais ça va, c'est lisible. Et dans la partie verte, c'est bien lisible aussi. Donc ouais, je vois pas de problème au niveau des symboles. Je veux dire, tout est bien imprimé. C'est juste que bon, les cases bleues, ben ouais. On va mesurer la toile. On va vérifier si c'est bien un 50 par 100. Mais je vais la contacter, hein. Je vais lui dire, j'ai pas reçu le produit que j'ai payé pour. Alors, 49,5, donc ça c'est convenable. C'est juste un demi-centimètre trop court. Et au niveau de la longueur, on a du 99,5. Donc c'est juste un demi-centimètre trop court en hauteur et en largeur. Donc ça, c'est pas grave. En haut, donc là vous ne le voyez pas, mais en haut de la toile, juste là, il y a marqué que c'est un custom. Donc c'est pour perso, 50 par 100 square. Et on a une seule légende. On a une légende à droite de la toile. Donc qu'est-ce qu'ils incluent sur la légende? Ils incluent l'image qui est minuscule, les codes qu'on retrouve sur la toile et... Enfin, c'est plutôt les symboles et les codes DMC. Ça va du DMC 152 au DMC 3865. Je ne sais pas combien ils ont inclus de couleurs là-dedans. Laissez-moi vérifier. Mais ouais, j'adore la palette de couleurs. C'est beau. C'est beau, beau, beau. Regardez ça. Maintenant, moi, j'ai jamais travaillé sur une toile de Manuit Rachel Store. Jamais. J'en ai, comme je vous l'ai dit, je crois que j'en ai deux maintenant, mais... Je vais juste ouvrir les diamants pour voir combien de couleurs ils ont inclus. Mais je préfère ne pas toucher pour voir un peu qu'est-ce qu'elle va me dire. Alors, on a un total de 88 couleurs. Ouais, 88 couleurs. Et c'est ça que j'aime de Manui, bien que bon, comme je vous l'ai dit, j'ai jamais testé. C'est qu'elle emploie ou elle utilise un grand nombre de couleurs qui est bien. On dirait qu'ils ont tout checké là, mais moi je check maintenant. Mais avec un peu de chance, si je la contacte ce soir, elle va me répondre demain. Et voir un peu qu'est-ce qu'elle me propose. Parce que ben. J'ai pas envie qu'elle me dise sur votre prochaine commande, j'appliquerai un 50%. Ben non. Ben non, parce que ça me force à commander en fait. Donc ouais. Et la couleur principale dans ce DP, c'est le... C'est celui-là. 64 sacs, 3770. Donc ouais, ils mettent le nombre de couleurs, le symbole qu'on retrouve sur la toile, la DMC, la quantité et le nombre de sacs de 200. Ce sont des sacs de 200. Donc voilà comment ça se présente avec l'image et la taille et le type de diamant. Donc voilà. Et c'est d'assez bonne qualité que je peux faire une photocopie, récupérer mes deux colonnes au niveau du symbole et de la DMC, passer ça dans ma machine qui permet de le rendre autocollant et mettre ça sur mes petites boîtes. Donc ouais, Luna elle fait sa douche là, c'est ça que vous entendez. Donc ben, je veux dire, on a tout vu là. Je ne vous ai pas parlé de la qualité de la toile, mais la toile, je vais juste remettre ça ici. Donc oui, la toile. Excusez-moi, c'est que j'étais tellement déçue là que du coup, bah, le unboxing, il est bizarre. La toile, c'est un fini normal que vous allez trouver sur AliExpress. Bon, maintenant, il est très épais. C'est très, très épais, donc c'est de bonne qualité. De temps en temps, on se retrouve avec des toiles comme ça, mais qui sont toutes, 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 toutes fines. Mais non, ça, c'est bien épais. La fiche plastique, comment elle est? Elle est assez fine.
ça colle très bien. Au niveau de la colle, c'est bon. Et vous voyez comme la colle dépasse ici et ici. Moi, ça ne me dérange pas, je mets du washi tape. Donc, ouais, colle coulée de bonne qualité. Donc, ouais, c'est juste dommage que je n'ai pas le produit que j'aurais voulu avoir. Mais bon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a vu les symboles, je l'ai mesuré. Les diamants, on va attendre. Je vais attendre de vous montrer la qualité. Parce que si elle me dit, ben gardez-la et on vous en envoie une autre de votre choix en diamant rond, je ne sais pas. On va voir. Parce que là, je vois, vous voyez qu'il n'y a que du 42. Si la caméra me fait la mise au point. Donc, je pourrais faire une petite section juste là avec le 42 et ce symbole-là pour voir au niveau de la pose avec vous dans cette vidéo. Donc ouais, moi je crois que du coup, ben maintenant je vais arrêter de filmer et ça se pourrait que la vidéo continue pour vous. Ben, manière, si elle continue pas, c'est que je vais pas publier cette vidéo sur YouTube. Donc elle devrait continuer. Elle devrait continuer pour vous et du coup, je vous dirai qu'est-ce qu'il en est au niveau de sa réponse. Alors, je vous retrouve pour faire l'inventaire des diamants. J'ai contacté Manui sur AliExpress et la façon dont elle a écrit les messages, on dirait qu'elle ne voulait pas me rembourser parce qu'elle m'a dit, vous avez quand même reçu un diamond painting, vous pouvez quand même le faire. Il est en bon état, il est en diamant carré, mais il est en bon état. Mais moi j'ai essayé de lui expliquer, regardez, c'est pas ce que je voulais. Je voulais un diamant rond, donc non, j'ai pas reçu le produit que je voulais. Et là, elle m'a dit, ben, je peux vous proposer des petites soldes sur votre prochaine commande. Et j'ai dit, ben, moi, je suis vraiment pas prête de recommander dans votre boutique. C'est vrai, là, j'ai pas l'intention de recommander. Sauf du rond, mais en même temps encore, si elle se trompe et qu'au lieu de me faire du rond, elle me fait du carré, bah, je vais encore pas être contente. Donc, j'ai pas aimé cette option-là non plus. Étant donné qu'on n'est pas arrivé à trouver un compromis, en fait, bah, j'ai ouvert un litige. Et j'ai ouvert le litige hier. Là, je filme le 10 avril. Je sais pas du tout quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Et là, il propose de me rembourser les deux tiers du prix. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais regardez. Donc, il y a un litige en cours. On va voir qu'est-ce qu'il se passe. Mais du coup, je ne vais pas renvoyer ce DP. Je vais le faire. Je vais le faire, bien que ma préférence va vers le rond, vous le savez. Mais on va quand même faire l'inventaire pour s'assurer qu'il y ait tout. Parce que moi, quand je vais commencer ce DP, je veux être sûre d'avoir mes quantités. Parce que si je ne les ai pas et qu'il faut que je commande un DMC, je veux le savoir en avance. C'est pour ça que je veux faire l'inventaire avec vous en vidéo. Donc ceux qui souhaitent rester pour regarder, ben, vous pouvez rester. Et ceux qui n'aiment pas ça, ben, je n'ai même pas pensé que je pourrais faire une petite section sur le DP. Mais ouais, ça se pourrait que je fasse une petite section sur le DP tout à l'heure, à la fin. Dépendamment de comment je me sens. Donc vous pouvez toujours avancer dans la vidéo si vous ne souhaitez pas voir l'inventaire des diamants. Alors, je vais ouvrir ça. Donc voilà la feuille de route. Donc on va vraiment vérifier si on a le nombre de sacs qu'ils ont marqué là par DMC. Et étant donné que je n'arrive jamais à remettre les diamants dans des sacs comme ça, là, je ne vais pas arriver à les remettre comme ça, c'est garanti. J'ai récupéré un sachet refermable que j'avais déjà utilisé pour d'autres projets. Je ne jette pas, tant que c'est en bon état, je garde et on va remettre les diamants là-dedans au fur et à mesure qu'on vérifie au niveau des quantités. On va commencer avec ce sachet qui est ouvert. Voilà. Et du coup, je vais surligner comme d'hab. Je pense que je vais surligner au niveau du nombre de sacs. Alors, on y va. On commence. Peut-être que je vais aller au centre avec les quantités plus petites. Alors, plus petites. Ouais, je vous sors un espèce de truc immense. Alors, le 225. Combien il me faut de sacs? 225, il m'en faut 22. Ce sont des sacs de 200 diamants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc je les ai tous. Et ce que je fais, c'est que je les enroule comme ça. C'est une jolie couleur, ça. Voilà. Et je mets ça là-dedans. Enroulé. Juste comme ça. Vous voyez. Je pourrais le mettre comme ça aussi. Ouais, peut-être que comme ça, ça sera bien. Et voilà. Et je continue. Voilà comment je fais ça. Mais je le mets en vidéo, moi. Comme ça, je peux m'y référer plus tard. 310, il me faut 10 sacs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est bon. Le 224, il me faut 9 sacs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça, c'est bon aussi. Ouais, on va avoir de belles couleurs dans ce DP. Des couleurs pastel. Ça, c'est quoi? Les endos sont piqués. Hein. Du 223. Ah, mais mince, si j'avais voulu faire un test sur l'EDP, ben, il aurait fallu que je regarde les DMC qu'il me fallait. Il n'y aura pas de test. Il n'y aura pas de test sur cette vidéo. Je suis vraiment désolée, là, mais... Pff. Sinon, ça ne sera pas trop de travail. Déjà que ce matin, j'ai filmé... Ben, ouais, ce matin, j'ai filmé la vidéo de HAED. Et là, je filme ça. Et ensuite, je vais vouloir me reposer. Donc, c'est pas grave. Il n'y aura pas de test sur cette vidéo. Peut-être que je ferai une vidéo de première impression. Eh ben non, encore une fois, pour trouver... À travers 88 couleurs, vous aurez un retour quand je déciderai de la faire pour celle-là. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le 223. Et de toute manière, si vous regardez sur YouTube, il y a Jess, de la chaîne Les Passions de Jess, qui aime beaucoup l'étoile de ma nuit. Donc, vous pouvez aller voir ce qu'elle en pense, elle. Il y a plusieurs YouTubeurs. Hein. Faites une recherche sur YouTube de Manu Rachel Store. Et vous allez voir ce que les gens en pensent. Ça, c'est le 221. J'ai mon sac. Est-ce que c'est le MDMC, ça? Non. Ça, c'est du 3815. J'ai un sac. Ça, c'est bon. Et ça, c'est du 3816. J'ai un sac. Ça, c'est bon aussi. Il y en a beaucoup. Waouh! J'en ai combien de ça? Alors attendez, ça c'est le 951. Il me faut 26 sacs. Alors on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. C'est bon. Je me demande si c'est le DMC que j'ai en plus grande quantité dans ce DP. Ouais. Non, c'est le non, c'est le 3770. 64 sacs. C'est immense, ça. Ça doit être une couleur pâle. Ouais, je pense que ça va être une couleur pâle. Peut-être pour le banc en marbre. Voilà, ça, ça va aller là. Ensuite, ça, c'est du 152. Il me faut 12 sacs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça, c'est bon. Ouais, ensuite, moi, je vais faire du DP parce que j'ai pas fait de DP aujourd'hui. Il est 14h46, un dimanche, et j'ai toujours pas touché mes DP. Donc, ouais, c'est ça que j'ai envie de faire après cette vidéo. Ah, ça, c'est du 368, j'ai 3 sacs. Ça, c'est bon.
Ah, c'est beau ça aussi. Regardez cette couleur. En même temps, ça nous permet de voir les couleurs dans ce DP. 754. 754. J'ai besoin de 27 sacs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est bon. C'est ici. Voilà. Ensuite, là, on a du 356. Il me faut 5 sacs. 1, 2, 3, 4, 5, je les ai bien. J'ai un sac. Oui. Ça, c'est trop beau aussi. 760. Combien il me faut de sacs? 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, c'est bon. Je vois qu'il ne donne pas de sac en plus. Hein. C'est vraiment ce qui est marqué sur la fiche. Ben, pour l'instant, en tout cas. Il me faut 10 sacs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça, ça va aussi. J'ai 2 sacs. Ça, c'est bon. Ça, c'est quoi? 347. C'est trop beau, ça. Je me demande où est-ce que ça va aller. 347. Un sac. Ouais. Ça, c'est du 154. J'ai 5 sacs, donc ça, ça va aussi. J'ai 2 sacs, c'est bon. J'ai 3 sacs. 355, j'ai un sac. 371, j'ai 3 sacs. Donc ça, ça va. Ça, c'est quoi? Ça, on lit mal. 413. 413, j'ai un sac. Ouais. Je vais le mettre là. J'aimerais mettre mes ribambelles les plus grosses d'abord. Ouais, ça, ça va être un peu plus gros. 841. Il me faut 6 sacs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est bon. Que les ribambelles les plus grandes vont être là dedans. Alors attendez, on va faire ça. 779, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Je pense que je vais passer à l'autre sac pour avoir des quantités plus grosses pour faire des bons rouleaux là.
des rouleaux de bonne taille, hein, parce que là, ben, j'arrive pas à mettre les petites quantités. Ok, ça je l'ai déjà fait, je vais juste le mettre là, mais je veux prendre les grosses quantités. Alors, ouais, vous voyez, ça j'en ai beaucoup. 3, 8, 6, 5, il m'en faut 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est bon. Et c'est ça, parce que ça va faire la structure du sac. Et au-dessus, en fait, je pourrais mettre les DLC pour lesquels ben, j'ai moins de sacs. Parce que ouais, tout ça, c'était des sacs de 1 ou des petits sacs. Et puis, ben, ça reste pas. Voilà, c'est ça que je vous dis. Regardez, ça fait plus une structure quand j'ai des gros rouleaux. Et ensuite, par-dessus, je mets les quantités plus petites. Ça, c'est des quantités plus petites. On va le faire après. Ça aussi, je vais essayer de faire les grosses quantités. Voilà, 3800... Voilà, 3859. Ouais. Celui-là, il me faut 9 sacs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon. Là, c'est ça, comme je vous dis, il y a 64 sacs. Alors, je me demande s'ils l'ont coupé en deux, la ribambelle, en fait. Ça, c'est plus petit. Ça, c'est plus petit. On va le faire après. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Et ça aussi. Ouais. Je les transfère dans l'autre sac. Alors. 3756. Il me faut 14 sacs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est bon. Le problème, vous voyez, quand ils mettent les diamants comme ça en ribambelle, c'est que c'est super long pour faire la mise en boîte des diamants. Bon, pas que ça me dérange, hein. J'adore faire la mise en boîte des diamants. Mais c'est vrai que quand ça dure plus de 2 heures, ben, surtout avec un nombre de couleurs comme ça, ça prend du temps. Oh, mais c'est trop beau ce rose. Bubblegum. 3733. Combien il m'en fout de celui-là? Il m'en faut 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Ah ouais, mais c'est magnifique ce rose. Ça va dans sa robe, certainement. Ah, il y a un écureuil dehors. Qu'est-ce qu'il a dans sa gueule? Je sais pas qu'est-ce qu'il a attrapé. Il a attrapé quelque chose. Il est parti. Ensuite... Ça, j'en ai beaucoup. Ça, j'en ai moins. 3033. Il m'en faut 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est bon. Ah, mais c'est ça, je crois, hein, qu'il y a comme 60 et quelques sacs. Ah, mais attendez, je vais le couper. Est-ce que c'est celui-là qui a le 3770? 64 sacs. Alors, je vais le couper en deux, ça. À peu près à la moitié. Je vais le... Voilà, je vais le couper là. Alors, combien on en a là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. J'ai 40 sacs. Alors attendez, 40 sacs. 3, 7, 7, 0. J'ai dit qu'il m'en fallait 64. Donc, je vois une autre ribambelle, là.
Donc j'étais à 40, 41, 42, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 60, 1, 2, 3, 4. Ouais, donc c'est bon, j'ai bien mes 64 sacs. Mais c'est ça que je vous dis, je pense que ça, ça va aller dans le banc. C'est très rose quand même. Hein. À l'œil nu, il y a beaucoup de rose dedans. Faudra voir une fois que je commence à travailler dessus, il faudrait voir comment ça va être converti ça en fait. Ouais. Voilà, mon jeu. Ça, c'est beaucoup de diamants. Combien ça correspond à 12 000. Plus de 12 000 diamants, ça. Voilà. Alors, ensuite, on continue. Là, on a du 842. 842... Il m'en faut 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ça, c'est des plus petites quantités. On va les mettre de côté. Ça, c'est moyen en termes de quantité. Voilà. Bon, ça, c'est mieux. 3712. C'est beau. Oh, c'est trop beau comme couleur, ça. C'est... Là, il fait gris dehors quand même. Ouais, la lumière pour vous, elle est pas top. Et si je mets le flash, le problème, c'est que ça va me bouffer tellement de batterie que je vais pas en avoir assez pour tout filmer. Alors, où est-ce que j'en étais? 3712, il m'en faut combien? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, c'est bon. Ça, c'est une petite ribambelle. Ça, c'est petit, petit. Petit. Ok, là, on en a plus. Ça, c'est du 3326. 3326. J'en ai... Alors, pardon, non, 12, il m'en faut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Ils sont beaux, les diamants, là-dedans. Ouais, ils sont beaux dans ce DMC-là. Je vois, les endos, ils sont bien plats. Il y a d'autres DMC où j'ai vu les endos piquer. Alors, je vais juste le mettre comme ça. Là, on arrive avec des quantités plus petites, du coup. Donc, qu'est-ce que j'ai là en plus? Ouais, vous voyez, les ribambelles les plus longues, c'est comme 6. Je peux essayer de mettre les ribambelles un peu plus longues. Là, j'ai quoi? Du 3348 avec 4 sacs. C'est bon. Quatre sacs. J'ai dit 3 ou 4. Je sais pas. Je m'en mêle là. Tout ça, c'est tout petit. Ça, c'est un 3. Ok, là, on a pas mal de 3, de sacs de 3. 3363. J'ai 3 sacs. C'est bon. 3328, j'ai 3 sacs. C'est bon. Tout à l'heure, j'avais fait ça avec vous. C'est juste que je l'ai enlevé parce que ben
c'était pas trop structuré. Je fais ça. Vous voyez, et là, là vous voyez pas trop, mais je mets là où du coup il y a de l'espace. Ça, je l'ai fait tout à l'heure avec vous. Juste pour me confirmer, 355 c'était fait. Oui, c'est fait. Vous voyez? Donc là, là c'est plus structuré. Et du coup, je peux faire des couches sur le dessus. C'est ça que je vous dis. Là, on voit les couleurs. Donc 3374, j'en ai deux. Mais j'en ai pas besoin de celui-là. Non, 3347. Mais qu'est-ce que je raconte? Deux. J'ai inversé les deux chiffres. À la fin. Ça, c'est du quoi? 3031. J'ai deux sacs. C'est bon. J'ai deux sacs. C'est bon. Ah, mais c'est trop beau ce bleu. 3325. Ça, ça va être dans le ciel, hein, certainement. 3325, j'en ai un. 902, j'en ai un. C'est bon. 3810, j'en ai un. C'est bon. 3047, j'en ai deux. C'est bon aussi. Et 3753, c'est trop beau comme bleu ça aussi. 3753, 1. Ok, on va ranger tout ça. Et ça, je veux utiliser le mieux possible l'espace que j'ai dans ce paquet. Parce que je veux que tout rentre là-dedans. J'ai pas envie d'avoir à utiliser un autre paquet. Je pense que tout va rentrer. Ouais. Je trouve que c'est la meilleure manière pour faire tout rentrer dans les sacs. 3354, j'en ai 3. C'est bon. 3760, j'en ai 2. C'est bon aussi. 3765, j'en ai 2. Ah, ça c'est un peu plus long. 3860, il m'en fallait 3000. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je les ai bien les 6. Ensuite, 980. Est-ce que c'est du 996 ça? 966, deux sacs, oui, c'est bon. 3740, j'en ai deux. C'est bon. 3721, j'en ai deux. 3766, j'en ai un. 3858, j'en ai 3. 3862, j'en ai 3. 3813, j'en ai 1. C'est bon. 3722. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 3722. Ouais, c'est bon. C'est joli comme rose, ça. Trop beau. Comme un vieux rose. Ouais, magnifique. Bon, on n'a pas encore terminé. 451, pardon, j'ai deux sacs.
Ça, c'est du 3856. J'ai 5 sacs. C'est bon. 4... Non, 3854. J'invente des chiffres, moi, là. Un sac, c'est bon. 977. Un sac, c'est bon. 3817. Un sac. J'essaie de les mettre à plat, là, tout en haut. J'espère vraiment que tout va rentrer. Parce que là, maintenant, c'est un peu le fouillis, hein. Alors, ça, c'est quoi? 3847, j'ai un sac. C'est magnifique comme couleur, ça. Oh, c'est beau. Mais 3847, j'en ai pas besoin. Non, 3847, j'en ai pas besoin. Donc, je sais pas pourquoi ils m'ont donné ça. 520, j'ai besoin de... un sac, oui. 610, deux sacs, c'est bon. 436, je comprends pas pourquoi ils ont pas imprimé ça avec du noir. 436, j'en ai 3, c'est bon. C'est quoi ça? 3012, j'en ai 2, 3. C'est bon. 519, j'en ai 1, c'est magnifique comme couleur. Super beau. Ça, c'est quoi? 3787, j'en ai 3. C'est bon. On continue avec le 3350. J'en ai un. C'est bon. Là, c'est de toute petite quantité. Là. 613. J'ai 4 sacs. Ouais. 402. J'ai 2 sacs. 402. J'ai 2 sacs. Ouais. 3808. J'ai un sac. 3848, j'ai un sac. Qu'est-ce qu'elle a, la chienne? Elle a sauté dans l'air. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a entendu. Pourquoi elle a sauté? On sait pas. On sait pas pourquoi elle a sauté. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait le mari. Je pensais qu'il était à son jeu. 1, 2, 3, 524. 524, j'en ai 3. Elle a dû peut-être entendre le bibou monter en fait. Et ça a dû lui faire peur. 372, j'en ai 3. 367, j'en ai 1. 320, j'en ai 1. 452, j'en ai 3. 307, j'en ai 2. 300. Non, 807. Pardon, 807, j'en ai 2. Ok. 3799, j'en ai 3. Donc ça, c'est bon aussi. Je devrais voir un sac de 3857. C'est bon. Je regarde cette colonne. Tout est surligné. Là, il reste 772, un sac, je l'ai là. Il me reste 597, un sac, il est là. 502, un sac. Ben là, j'ai le 501, je l'ai. 435, un sac, je l'ai. Ça, c'est 471, un sac, je l'ai. Et qu'est-ce que c'est que ça? 502, un sac. Ok, bon ben on dirait que j'ai tous les DMC et ils m'ont donné en plus, je sais pas pourquoi, du 3847. Parce que je regarde là, j'ai pas besoin de 3847.
Donc ça, je vais le mettre avec des diamants qu'il faut que je range. Parce que je vais avoir des diamants qu'il va falloir que je range à un moment donné. Je ne sais pas encore si je vais le faire en vidéo avec vous. Mais ouais. Donc voilà, ça, ça va comme ça. Les couleurs sont super belles en tout cas. J'aime beaucoup la palette de couleurs. Ben, c'est une des raisons aussi pour laquelle je voulais faire cette image. C'est parce que j'aime beaucoup les couleurs qu'on retrouve dans l'image. C'est vraiment, c'est tout tout doux là, c'est beau. Donc ce que je fais maintenant, c'est que ça, je le mets là-dedans. Vous voyez? Pour savoir que ces diamants appartiennent à ce projet. Et là, ouais, tout est passé là-dedans, vous voyez? Nickel. Je vais enlever l'air. C'est pour ça que quand je finis avec ces gros sacs là, comme ça, je les garde. Je les garde et je les réutilise pour des autres projets. Donc voilà. Là vous voyez, c'est tout beau, tout rangé et tout. Et de l'autre côté, c'est la panique, mais on va moins le voir parce que ben j'ai ma fiche. Mais maintenant je sais que ces diamants, ça appartiennent à... ils appartiennent pardon, à ce projet. Donc voilà, il y avait toutes les couleurs en quantité, en bonne quantité. Donc j'ai eu aucun souci au niveau de ça. Donc encore une fois, on va voir une fois que je vais commencer à la faire. Quand, je ne sais pas, parce que j'ai beaucoup de toiles. Mais c'est ça. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. Je vous mettrai aussi le lien pour faire les persos vers cette boutique si vous souhaitez en faire. Ils proposent aussi des diamants ronds, comme vous l'avez entendu dans la vidéo. Mais j'aimerais les tester, mais pff, à ce point-ci, s'ils sont pour encore refaire la même erreur, ben non. Donc je crois que je vais attendre un petit peu avant de tester les ronds chez eux. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Bye bye!